À 93 ans, Robert Wagner brise son silence sur la mort de Natalie Wood. Robert Wagner est une légende d'acteur avec une carrière qui s'étend sur 7 décennies. Il a été dans une série de films et d'émissions de télévision notables et est considéré comme l'une des plus grandes stars de l'âge d'or d'Hollywood. Pourtant, il est également connu comme étant un suspect dans la mort bizarre de sa femme, l'actrice Natalie Wood. Les événements de cette nuit ont hanté Wagner au cours des décennies qui ont suivi et personne n'a été en mesure de déterminer exactement ce qui s'est passé. Wagner a toujours affirmé qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Wood et pendant de nombreuses années, il n'a pas été considéré comme un suspect. Pourtant, ces dernières années, il est passé de non impliqué dans l'affaire à déclaré personne d'intérêt en 2018. Bien qu'il maintienne toujours son innocence, il reste encore tant de questions sans réponse concernant la mort prématurée de Wood. Dans cette vidéo, nous examinerons les rares fois où Wagner a parlé de sa défunte épouse ainsi que certains des moments forts de son illustre carrière. Mémoire de Wagner. Au cours des nombreuses années qui se sont écoulées depuis la mort étrange de Natalie Wood, Robert Wagner est resté assez silencieux à ce sujet, sauf pour assurer à ses fans et à la police qu'il n'avait rien à voir avec son décès. Mais en 2016, il a publié un mémoire intitulé « Je l'aimais dans les films, souvenirs des actrices légendaires d'Hollywood ». Bien qu'il ne s'agisse pas strictement de l'incident avec Natalie Wood, il a parlé de sa défunte épouse et du trou laissé dans sa gauche lorsqu'elle a péri. Le livre était un regard approfondi sur sa vie et sa carrière, raconté à travers l'objectif de rencontrer, de travailler avec ou de sortir avec certaines des meilleures femmes d'Hollywood au fil des ans. Ceci comprenait des grands noms comme Elizabeth Taylor et Marilyn Monroe, en plus de Wood. Il a inclus l'influence de Wood dans sa déclaration selon laquelle « ils ont laissé une empreinte sur moi et sur toutes nos vies ». Et il est clair que Wood a eu une énorme influence sur la vie de Wagner. Ils ont réussi à se marier non pas une fois mais deux. Bien sûr, c'est moins romantique si l'on considère qu'ils ont dû divorcer pour que le deuxième mariage se produise. Mais la façon positive de voir les choses est que leur amour était assez fort pour durer une rupture comme celle-là. Ils se sont mariés à l'origine en 1957, mais les choses se sont détériorées en 1962. Ils se sont donc séparés et se sont séparés. Cependant, il semble qu'ils étaient destinés à réessayer et ont fini par se marier à nouveau en 1972. C'était moins d'une décennie avant la mort tragique de Natalie en 80, à l'âge de 43 ans. Dans le livre, Wagner a parlé de la complicité de Natalie. Et pourtant, affirmait-il, il y avait quelque chose dans la maternité qui l'aidait à s'épanouir dans la vie. Documentaire de Natasha. Natasha Gregson-Wagner, une actrice à succès à part entière, a sorti un documentaire en 2020 sur sa mère et le mystère entourant sa mort. Il s'appelle « Natalie Wood, What Remains Behind » et il est sorti sur HBO. Au fur et à mesure qu'elle faisait la promotion du doc, elle était constamment interrogée sur la participation de Robert, ce que certains trouvaient assez surprenant. Natasha a chanté les louanges de Wagner pour avoir accepté de participer au documentaire. Cela aurait probablement été un sujet difficile à aborder même si la mort n'avait pas eu lieu dans des circonstances suspectes. Wagner vivant en tant que personne intéressée par un crime potentiel. Mais compte tenu de ces circonstances accrues, Natasha a estimé que Robert était allé au-delà en acceptant d'être le doc. Elle a parlé de son courage et de la façon dont son apparition dans le documentaire était pleine de transparence, d'élégance et de classe. Elle a même qualifié Robert de l'un des grands amours de sa vie, affirmant qu'il l'aimait encore tous les jours. Et qu'il l'a ému notamment pendant les jours où ils ont filmé le doc. Et bien qu'il ne soit pas son père biologique, elle le considère toujours comme un père, et pour une bonne raison. Après la mort de Natalie Wood, il a été convenu que Robert continuerait à élever Natasha. Apparemment, Richard Gregson et Robert Wagner se sont rencontrés et ont pensé qu'il serait dans l'intérêt de la jeune Natasha de continuer à vivre avec Robert. De cette façon, elle serait également avec ses cœurs et vivrait dans le même environnement général. Si elle avait été forcée d'aller vivre avec son père biologique, elle aurait été forcée de quitter le reste de sa famille et de vivre dans un tout nouvel endroit. Entrevue avec le magazine People. Alors que les mémoires de Robert étaient publiées, lui et Natasha se sont assis avec People Magazine pour parler du livre, Natalie et d'autres sujets importants de leur devis. Il était particulièrement notable que Robert n'ait pas pris l'habitude de trop parler de Natalie. Mais peut-être en raison de ses mémoires et de sa progression depuis des années, Wagner est devenu plus franc à propos de Natalie et de sa mort.
Il a dit à People que lui et sa famille avaient été complètement bouleversés par la mort prématurée de Wood. Ainsi, son lien avec ses enfants, et avec Natasha en particulier, s'est immédiatement renforcé après la mort de Nathalie. Il est particulièrement fier de la façon dont Natasha s'est épanouie au cours des années qui ont suivi le décès de sa mère, affirmant que dès le départ, elle s'est concentrée sur le fait de s'assurer qu'elle essayait de vivre une vie heureuse et épanouissante. Il a également parlé des similitudes qu'elle avec sa défunte mère. Il a qualifié Natalia de personne très très spéciale, aimante et attentionnée, et a félicité Natasha pour avoir ces mêmes qualités. Le livre sur Nathalie. Le documentaire n'était pas le seul produit que Natasha a aidé à créer sur sa mère. Elle a coécrit un livre en 2016 intitulé Natalie Wood, Reflection on a Legendary Life, qui a épluché les couches de la vie de Natalie Wood, y compris des photos de famille inédites et un essai que Wood a écrit en 1966. Il comprenait également une introduction de Robert. L'essai de Wood se concentre sur son parcours d'une enfant star à une vedette hollywoodienne, et comment elle a lutté avec elle émotionnellement et psychologiquement. Elle plonge dans ce que c'était que d'être le seul soutien de la famille de sa famille lorsqu'elle était enfant et qu'elle ferait des cauchemars sur le fait que la famille ne pouvait pas manger si elle ne décrochait pas de gros emplois. Wood a même écrit sur son premier mariage avec Robert Wagner. À ce moment-là, ils étaient divorcés depuis environ 5 ans et ne s'étaient pas remariés. Mais peut-être a-t-elle laissé présager le fait qu'ils reviendront plus serrés. Parce qu'elle a expliqué que les papiers de divorce ne vous font pas ressentir différemment quelqu'un que vous aimez.